Ouais, mais Siska, tu trouves où des gens qui savent repérer ces caractéristiques, je te demande. Bah, c'est Oh, mais mec, meurs. Ah oh, ouais, d'accord. 5 smile kill. J'ai fait un kill. What did you say, man? What did you say? Repeat after me, right? Let's go. Man, we can't really hear you. If you want to say something, write it. Il va me suck my dick, comme ça il va se faire ban et ce sera très bien. Welcome. Pardon. Tu veux sortir, Kato? Ah non. Don't write suck my dick. He want you get banned. Don't do that. Stay calm. It's a trap. Okay. J'ai jamais réussi à faire quelque chose sur CS. Pourquoi? Parce que j'étais jeune, parce que j'étais con, parce que j'étais obtus, parce que je pensais que j'étais le meilleur et je me remettais jamais en question. Si vous vous remettez pas en question, si vous vous considérez pas tout le temps comme une merde, j'ai envie de dire, enfin ça c'est ma technique, après il y en a qui le font moins, mais moi c'est assez violent, c'est que je me considère toujours comme très mauvais, bah du coup t'es toujours dans une espèce d'apprentissage. Alors ça coûte, mais ça rapporte aussi. C'est très clair. Il faut combien de renforts par exemple là pour renforcer ici là? Là, de gauche à droite, supra, combien de renforts il faut pour les deux murs? Toi et moi. 4. Non, oui mais en tout combien? Ah, tu dirais là, c'est ouais, toute cette longueur 5, 6, 7. Là. Bien ouais, tu vois. C'est des trucs à la con, sur la connaissance et tout, on peut faire des petits contrôles comme ça là. Là on a été droné très très vite, et là, je suppute qu'ils vont spawn là. Non, vous avez entendu, la hache, déjà je peux vous dire qu'il y a une hache et ça spawn de l'autre côté, ok? Par rapport au bruit qu'on vient d'entendre, ça devrait être là. Did you see anything, AK? Il doit y en avoir un sur le parking et on va aller chercher. Là, je vais mourir, je pense. Là, est-ce qu'ils peuvent être là? Est-ce que Mary, ils peuvent être en face de toi, les mecs? Oui. Non. Ils vont mettre encore 10-15 secondes avant d'arriver. Pourquoi? C'est une casu, ils étaient de l'autre bout de la map, ils ont tous spawné ensemble, et même si c'était une hache, là elle serait à peu près maintenant ici, vous voyez? Et ça prend du temps, parce que la meuf elle va s'arrêter, hein, elle va pas faire un tout droit quoi. Etc, etc. Et ça il faut essayer toujours de faire preuve d'empathie, de dire, si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce qui fait un bon joueur en fait? Qu'est-ce qui fait un gros joueur e-sport? Bah c'est simple, c'est plein de petites choses. Le game sense, ça va en être un. Le shoot, ça va en être un autre. Bleu. La capacité à ne pas stresser, bien ouais je suis prêt. La capacité à ne pas stresser, c'en est une autre. Parce que le stress vous fait forcément... Mais pas l'envers mon frère. Le stress vous fait forcément baisser en qualité et en niveau. Donc, si vous stressez, forcément, et si vous avez une bonne gestion du stress, par exemple un mec comme Renshiro, le mec il fait une casu comme il ferait une finale du Major, voilà, lui il a une gestion du stress qui est monstrueuse. Et tout ça, je l'avais déjà expliqué, c'est des petits... C'est des petits, comment dire, c'est des petits curseurs, tu vois. C'est un peu comme une table de mixage dans un studio. C'est-à-dire, il y a plein de trucs, t'es pas ingénieur du son, donc tu comprends rien, t'as l'impression qu'il y a 150 000 trucs qui servent à rien, mais si l'ingénieur du son il est bon, chaque truc sert. Si tu mettais tout au maximum, t'as le joueur parfait. Mais ça n'existe pas. Personne n'est parfait. Il y a toujours un mec qui sera un jour meilleur que toi. C'est moi. Et en fait, la plupart du temps, eh bien, on va s'accorder sur le fait que ces curseurs doivent tous être à peu près au niveau au-dessus de 50, par exemple. Et tu as une note globale. C'est un peu comme dans FIFA, où ça va être ton pied droit, tu vas avoir 83. Le pied gauche de ce joueur-là, ça va être 73. Sa vision du jeu, ça va être 62, etc. etc. Dans un shooter, c'est la même chose. Donc par exemple, est-ce que on peut comparer un Fabian à un Jonas pour pas lancer le drama? Oui, on peut les comparer. Mais c'est pas du tout la même vision du jeu. Ils sont tous les deux des bons joueurs, on pourra pas dire le contraire. Mais le truc, c'est que l'un est bon parce qu'il a une bonne vision du jeu et parce qu'il sait surtout, il comprend où est-ce qu'il faut qu'il emmène son équipe pour que ça marche. Équipe, c'est important. Et Jonas, ça va être un monstre du aim. Pourtant, Jonas se caractérise lui-même comme étant un mec qui n'a pas forcément énormément de game sense. La plupart du temps, c'est des petits curseurs comme ça. Donc, si t'as un curseur qui est mauvais, bah, déjà t'essaies de tous les monter. Et si t'as un curseur où tu trouves que t'es mauvais, bah faut essayer de compenser avec l'autre. Donc si tu trouves que ton game sense c'est pas bon, bah t'as intérêt d'avoir un aim d'enculé. Voilà, je pense que je peux pas mieux résumer. C'est bien résumé, moi j'aime bien. J'aime bien ce genre d'analyse là. Oh là, je suis bloqué. Oh, une barrière.
Et tu vois par exemple, Mary, avec tout le respect que j'ai pour lui, il s'améliore de jour en jour, ok? Il s'améliore de jour en jour. Et vraiment. Et je le dis aussi, je le vois. Et il s'améliore vraiment. Sauf que, s'il a pas un aim de ouf, il y arrivera jamais. Parce qu'il a un game sense de poulpe albinos du sud de l'Argentine. Ça c'est vrai. Il y a un mec qui tire à gauche à un mur, il voit le mec partir, il va pas penser que le mec va aller à droite, t'sais. Et pré-shot à droite. Ah non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Après, je serais trop parfait, quoi. J'ai pas envie d'être trop parfait. Non, t'es bien là. Là, t'es bien. Ça va, t'es un bon équilibre. Sur le fait de pas être parfait. Ouais, non, je préfère aller à mes distances quand même. Ah ouais, là, t'es bien là. Là, t'as une bonne distance. On est à peu près à 300 bornes quand même là. Tu es quand même le plus fort du jeu. Vous savez, la plupart du temps, enfin, on en avait déjà parlé, zone de confort et tout, on va pas revenir dessus. Mais. Le meilleur des trucs dans chaque chose que vous pouvez faire dans la life, où vous vous dites « je commence à douter, est-ce que je devrais faire ci, est-ce que je devrais faire ça, est-ce que je devrais aller là, est-ce que je devrais le faire comme ci, est-ce que je devrais le faire comme ça ?» Essayez. Hein ? Voilà. Essayez. Tout le temps. Vous y allez, vous allez vous casser la gueule. Si à chaque fois, si... Le truc c'est que quand on était enfants, tous, on n'avait pas ce genre de problème. On ne réfléchissait pas. D'accord ? Mais en fait, nous sommes le propre limite. Quand tu as été enfant et que tu as appris à faire du vélo, si maintenant tu ne savais pas faire du vélo et qu'on te disait « va faire du vélo », tu vas sûrement être là en train de regarder le vélo pendant une demi-heure, en train de te dire « mais attends, mais si je vais me casser la gueule, je vais me faire mal. Enfin, il faudra peut-être que j'ai des genouillères, des coudières. » Alors que quand t'es petit, tu t'en bats les couilles. Alors que quand t'es petit, tu t'en bats les couilles, tu te casses la gueule et tu remontes. Et ben là, c'est pareil. Donc toi, si tu veux faire de l'e-sport, bon, le mieux ce serait d'atteindre le brevet des collèges de l'e-sport qui serait pour moi le diamant in-game. Ça te montre que t'as un objectif, ça te montre que t'y arrives, ça te montre que voilà, pour toi diamant c'est un truc niveau râle et pâquerette quoi. Voilà ce que beaucoup de joueurs pro, même s'ils vous le disent pas, pensent, et j'en suis intimement convaincu. Mais derrière, vas-y, fais-toi une équipe avec 4 personnes qui ont à peu près le même niveau que toi. Qui ont le même objectif. Mais c'est ça le problème, il a pas d'amis le mec. Ceux qui sont le plus disponibles en fait n'ont pas forcément le même niveau. Je les aime beaucoup, c'est des gars que j'apprécie énormément, du coup je joue avec eux. Mais ils n'ont pas le même niveau que moi non plus. Je suis loin d'être un monstre. C'est pas la même chose. Il faut juste être franc et être honnête avec les personnes en disant exactement ce que moi j'ai déjà répété par le passé quand j'étais chez Youngtis. J'ai dit, écoutez, moi j'ai envie d'être le capitaine d'un navire, d'accord? J'ai envie de partir du port, le port c'est la France, d'accord? J'ai envie d'arriver à bon port, le bon port ce sera aux États-Unis. Maintenant ce qu'on est en train de construire ça ressemble visiblement à une barque, mais c'est mieux que de rester au port, allons-y. En revanche en cours de route, il se peut que tout le monde ne finisse pas ensemble, d'ailleurs il y a très peu de probabilités, et il se peut que je change de bateau. Et si à un moment t'as une opportunité pour passer d'une barque à un putain de paquebot, eh ben tu passes sur le paquebot. Alors vous avez compris la métaphore, si à un moment on te propose une meilleure équipe et que tu penses que c'est mieux pour toi, eh ben let's go. À partir du moment où t'es transparent avec tes mates et que tu leur mens pas quoi. Et que tu leur dis, moi écoutez les gars, j'ai envie de réussir, on le fait ensemble, ça me fait plaisir, je le fais sans vous, bah je le fais sans vous quoi. Attends Mary, moi je peux pas faire. Si tu veux Voltind. Attention, y a un trou à gauche. Il y a un trou à droite quand tu vas rentrer. Laisse-moi te droner. Regarde, on va faire les trucs bien propres. La mira est ouverte. Non, laisse-moi te droner et il rentre. Tu vois, ça c'est. Mary, c'est pas possible. Tu vois, c'est juste pas possible. Je suis un stromon. Non, t'es pas un stromon, mec. Tu pues la merde. Il y en a un contact, tu peux y aller, Mary. Non, il te regarde maintenant, il te regarde. Il est pingé, il te regarde. Ouais, c'est un monstre. Vas-y, push. Fais gaffe, enlève le lésion. Enlève le lésion. Be careful, Kana. Stairs, y'en a un. Stairs, dans les stairs. À votre gauche, le dernier. À ta gauche. Ah, le smoke. Ouais, je suis un monstre, moi, je suis pas fou. Il a un HP, les gars. Même 0,5, je dirais. Moi, je suis en 7 points, perso. Pareil. Alors, Astro à 40, faut désactiver le 5 points sur le nuke centre pour mieux entendre. Il n'y a pas de 5 points, c'est du 7 points aussi. Alors, moi, on m'a toujours dit que le 7.1 dans le jeu était pas du tout reconnu et que ça faussait un peu les données. Et tout. Non, mais déjà, 7.1, ça veut dire un caisson de basse et 7 machins. Donc, déjà, dans un casque, t'as pas 7 haut-parleurs, quoi. C'est... Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que. En fin de compte, c'est mettre le 7.1 sur R6, en fait, c'est plus un placebo qu'autre chose. Bah écoute, bah, moi ce que je peux te dire c'est que si je mets mais moi il y a une grosse différence quoi. Non, c'est un placebo. Non, c'est pas un placebo. Mais non, un placebo déjà ça voudrait dire que ça ne change pas.
Bah oui. C'est-à-dire, tu as une si tu te mets en normal, comment on appelle ça, stéréo, okay. Normal et en 7.1, bah non, mais le son tu l'entends pas pareil, mec, c'est pas possible. Ouais, tu entends un peu plus d'aigus qui sont un peu plus proches. Non, et les graves un peu plus non, 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 il y a vraiment une. Là, je viens de me mettre en 7.1, ouais, je vais vous dire tout de suite. Certes, elle est émulée. Donc, certes, c'est fait de façon artificielle. Ce n'est pas, t'as pas cette petite haut-parleur dans ton truc, dans ton oreille, c'est pas possible. Mais tu as quand même une spatialisation qui est recréée. Et en fonction des casques et des logiciels qui vont avec, eh bien, elle est plus ou moins bonne, forcément. Et je go vers le bas, je go vers le down. Putain, mais il décale un bibi, faut être. C'est la porte est fermée en bas, y'a personne. Arrête de me tirer dessus, bouffon. Putain, la IQ me tire dessus. Tu joues quel type d'opérateur en règle générale, Supra? Supra, tu es là? Ouais, je suis là. Je suis plus dans le style. J'aime bien rush, mais pas trop. Non. Plus, ouais, style. Ashe, Ibana. Et en roaming, proxy ou... Non mais t'as même pas à le regarder en fait, t'as pas à passer dessus poula. Attention, je vais prendre la ligne avec Bibi. Laisse-moi la ligne. Je te la mets. Ouais, c'est pour prendre les kills. Non. C'est bon pour la flash. Bomb locations are secure. Oh merde, je prends pas. T'as un monstre. Joli. Là, on peut aller chercher notre petit truc. Très sympa ce spawn kill. Personne ne s'y attend, extrêmement facile à faire. Faites-le, il marche très bien. Il y en a un autre portail. C'est moi qui l'ai inventé. Attendez, je fais un kill et on va mourir là. Oh, comment? Non, t'inquiète pas. Diffus, Cajon. Diffus, Yellow Stairs. Toujours rappeler. Contact, rappel, main en mate, combien il reste. Tout le temps. Le premier, c'est votre équipe. Le deuxième, c'est en face. 3v2. C'était un 2v3, ouais. 2v3. Tout le temps. Lui, quand il est concentré sur son truc, il a pas cette information-là. Le truc 3v2 n'apparaît plus. S'il apparaît, enlevez-le. Parce que si vous voulez faire de la Pro League, bah, vous l'aurez jamais, ce truc. Le truc 3v2. Et pour X raisons que j'ai déjà expliqué, il faut l'enlever. Rappel B, il a raison. Ouais, bien vu. Pourquoi pique? Non, je pique pas, je reste comme ça, justement. Ça marche. 1B window. Blackbird B window. Yeah, it was B window and he get in. Yellow cell. Oh non. Piccolo à gauche. Oh non. He's very low HP coming on the left. Non, il a 55 HP. Don't move. La cam baguette. On l'a la cam baguette. Ouais, c'est bon. Ping amoureux. Pingue-le. À mort. Là faut tout le temps le ping comme des enculés. Ping, voilà, c'est ça qu'on veut, du temps réel. Faut qu'il ait l'information en temps réel, mais il est nul à chier. Moi je n'aime pas le fait de vouloir casser son shield et de lui mettre une tête, hein. Faut mettre dans le corps là. Ensuite, une fois que ton gunfight était perdu, d'accord? T'as perdu ton avantage. Ok, ouais. Tu l'as pas tué, il t'a pas tué, mais vous avez cassé un shield, etc. Sauf que t'étais low HP, sauf que t'es doc. Tu pouvais te plaquer contre la petite truc jaune et puis le jouer au sound. C'est-à-dire, il te push à droite, tu vas sauter à gauche. Il te push à gauche, il se barre à gauche, tu joues à droite, mais tu te heal. Et ça, la gestion du stress dont on parlait tout à l'heure, elle est extrêmement importante. Les personnes qui arrivent à gérer leur stress sont les personnes qui arrivent à clutcher. Là, sincèrement, j'étais pas stressé ou quoi que ce soit, je pensais juste que ça allait vraiment bien le passer. Non, mais le stress, c'est une façon de parler en fait. Mais c'est juste là, ouais, j'ai pas réfléchi au fait de pouvoir me heal. Le stress, c'est tout simplement, t'es dans le mal, t'es dans la situation de... Non, le stress, tu le sens. Le stress, tu sais quand t'es pas toi-même quand même. Le vrai stress, ouais, où quand t'as la main qui bouge, t'as les mains sur le clavier. Non, mais laissez-moi finir. Déjà, fermez tous vos gueules, vous parlez depuis 3 heures, moi j'ai rien dit depuis le début, donc là j'ai envie de monopoliser. T'as gagné une Pro League? Ouais. Non, bah alors ferme ta gueule. Ok, bah allez, vous faire foutre, parce que ce que j'allais dire est super intéressant. Vas-y. Non, bah non. Ouais, non. Allez, go. Ouais, non, je dirais. Allez. Non, mais quand t'es en combat, automatiquement, même si c'est en 1v1, t'as pas forcément du stress. Mais tu peux avoir une forme de, pas de panique, mais d'embrouillage au niveau du rite, qui fait que tu réfléchis pas de la même manière. Je prends pour moi, en fait.